I'm in. Je vais aborder ici une question de mécanique qui pose souvent des problèmes aux étudiants, de tout niveau d'ailleurs. Une question de mécanique qui est relativement simple dans son énoncé, mais dans la résolution duquel on est confronté à des conceptions erronées, vraiment de manière frontale. On va voir qu'il y a des choses qui ne sont simplement pas passées. Donc, c'est sur ça que je voudrais revenir. L'exercice, c'est le suivant. La question est la suivante. Sur un plan horizontal, on a ici un objet qui peut se déplacer le long de ce plan. Il est libre de glisser sur le plan, il n'y a pas de frottement. Ce corps a une masse M et on l'attache à une poulie, au bout de laquelle on suspend une masse grand M. Deux objets. Celui-là est libre de glisser. Ici, un objet de masse M. Et on va lâcher cet objet. Donc, on voit bien ce qui va se passer. L'objet ici, en tombant, va tirer sur celui-ci et va l'entraîner dans sa chute. La question qu'on se pose, c'est la suivante. Déterminer la vitesse de cet objet-là en fonction du temps. Donc, la vitesse de l'île. Je vais commencer par présenter une manière erronée de résoudre l'exercice, mais en faisant comme si elle était juste. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre de gants particulières. Donc, ce que je vais dire là dans les 5 prochaines minutes, c'est faux. Je vais simplement essayer de me mettre à la place de certains étudiants et vous montrer comment certains étudiants présentent ce problème et le résolvent. Et ensuite, je passerai à la résolution correcte. Et en essayant de montrer où sont les mauvaises conceptions qui ont conduit à l'erreur initiale. Bon. Beaucoup d'étudiants confrontés à ce problème disent la chose suivante. On a ici une masse M qui est soumise à son poids vers le bas, P est égal à M fois G. Le poids ici de la grosse masse, je vais l'appeler le contrepoids en fait. Donc le poids du contrepoids qui s'écrit grand M fois G. Cette masse, cette force ici est répercutée par la poulie à cet endroit-là. Et on se retrouve ici avec une force que je vais appeler F, qui a la même norme que MG ici, mais simplement qu'à une direction différente du fait de la poulie. Donc tout se passe ici, a-t-on envie de dire, comme si le corps qui est ici était soumis à une force F, dirigée par là-bas et qui a la norme MG. Une fois qu'on a écrit ça, la résolution du problème est vraiment très simple. J'ai écrit la relation fondamentale de la dynamique appliquée à ce système-là. Donc le système, c'est lui. Je me place dans un référentiel lié au support ici. Voilà. Et on écrit que MA est égal à la force qui est ici. Si je projette cette relation fondamentale de la dynamique sur un axe horizontal que je vais noter X, par exemple, si on a O et par là-bas, ça va être X. La coordonnée suivant x de l'accélération ici, c'est x point point, est égale à f, et ici on voit que la force est une composante positive suivant l'axe x, et suivant le raisonnement que j'ai fait ici, ça vaudrait grand M fois g. Ce qui permet du coup d'écrire que x point point est égal à grand M sur m fois g, et on intègre une fois, si le corps au temps initial n'a pas de vitesse initiale, on se retrouve avec m sur mg fois t plus une constante qui vaudra ici plus une constante qui vaudra ici 0 si le corps n'a pas de vitesse initiale. Bon, si le but c'était simplement d'avoir la vitesse, voilà, on peut s'arrêter ici et on a une expression de la vitesse. Là, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et de m'intéresser aussi à la position tant que j'y étais. Et j'intègre encore une fois, x égale 1/2 de m sur m fois g t carré. Voilà l'expression de la
de la position qu'on trouverait en fonction du temps. Donc ça, c'est pas correct, hein, mais voilà ce que peut-être on aurait envie d'écrire. Une première manière de voir que ça, effectivement, ça pose problème, c'est de se poser la question de ce qui se passe si la masse grand M est beaucoup plus grande que la masse petit m, physiquement. Donc imaginez la situation suivante, où on a ici un éléphant énorme, on l'attache comme ça à une poulie, et on met ici un tout petit machin, une souris, voilà. Et on laisse le système évoluer. Ce qui va se passer, on imagine bien que la souris ici ne va quasiment pas influer le mouvement de chute de l'éléphant, donc l'éléphant il va tomber avec une accélération G, donc le corps ici va être lui aussi tiré par la corde et accéléré avec l'accélération G dans ce sens-là. Et non pas, comme on pourrait le penser d'après cette équation-là, avec une accélération qui vaudrait ici grand M sur petit m fois G, c'est-à-dire quelque chose qui serait énorme. Si grand M est beaucoup plus grand que petit m, cette équation-là nous dit que le corps qui est ici est accéléré de manière énorme, vraiment beaucoup plus grande que G. Donc ce qui, physiquement, n'est pas le cas. Alors, où est le problème avec le raisonnement qui est ici? En fait, c'est vraiment dans l'hypothèse déjà du départ de dire que la force qui est ici est égale en norme à la force qui est là, au poids. Et ça, pour se rendre compte, il suffit vraiment d'aborder le problème avec rigueur et de se poser la question, vraiment rigoureusement, tiens, que vaut la force qui est ici? Alors posons-nous effectivement la question de que vaut la force qui est ici, comment on l'exprime en fonction du temps. Pour ça, on va faire l'étude du système contrepoids. On va s'intéresser au contrepoids, juste lui. Le contrepoids, il est accéléré vers le bas, il est en train de tomber. Et on peut écrire que m fois son accélération, alors attention, l'accélération qui est là n'est pas la même que l'accélération qui est là. Ça, c'était celle de la masse qui est ici, alors que ça, c'est celle du contrepoids. Je n'ai pas envie d'adopter une notation différente ici, donc je le dis de manière explicite. Attention, l'accélération qui est ici, c'est celle du contrepoids. La masse fois l'accélération est égale à, et je vais écrire ici l'ensemble des forces auxquelles est soumis le contrepoids. Quelles sont les forces auxquelles est soumis le contrepoids? Alors, il y a certes le poids P égale à mg, mais ce n'est pas tout. Il est retenu par un fil. Ici, il y a le fil qui l'empêche de tomber. Effectivement, si ici on a un gros machin et là un petit, ben le petit ne veut pas tomber très vite parce qu'il y a lui qui le retient en fait. Donc, il est soumis à une force que je vais noter T comme tension du fil, que je vais ici noter en rouge. Voilà. En l'absence de frottement avec l'air, par exemple, voilà ici les deux forces auxquelles serait soumis le système. Et on voit que du coup, la tension du fil qui est ici, en norme, n'est pas égale à mg. La tension du fil n'est pas égale au poids, c'est précisément la différence qui fait que le corps est en train de tomber. Et ça, je vais, du coup, si on projette ça sur l'axe vertical, sur OZ, j'oriente par exemple Z vers le bas. Si j'oriente Z vers le bas comme ça, on se retrouve avec grand M Z point point est égal à grand M fois G moins la norme de T. Ce que j'appelle T ici, c'est la norme de T. Et on voit que comme T est dirigé vers le haut, la composante sur un Z, c'est moins la norme de T. Donc voilà ce que donne l'expression. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que du coup, maintenant, quand on étudie le fil lui-même, on peut montrer effectivement que pour un fil dont la masse est négligeable et un fil qui n'est pas élastique, la force bleue qui est ici, elle est égale en norme à la force T qui est ici. Donc quand on dit que le fil transmet les forces, c'est-à-dire que c'est la force à ce bout-là qui est égale à la force à ce bout-là. Donc la force qu'exerce le fil sur l'objet ici, c'est la même que celle qu'il exerce sur le corps qui est là, en norme. Du coup, je vais reprendre le raisonnement qui est ici, en remplaçant ici F, la composante de F suivant X, par T, ce que je viens de déterminer ici, c'est la tension qui est ici, c'est ce que je viens de dire, et T, je peux l'exprimer en fonction des autres grandeurs qui interviennent dans le problème. Ici, T, c'est égal à mg moins grand M z point point. C'est-à-dire, ça fait donc ici grand M g moins m z point point. Donc on voit que par rapport à tout à l'heure, on a ce terme-là en plus. Tout à l'heure, on avait écrit juste ça, ben, ce n'était pas correct. C'est ça qu'il faut écrire. Du coup, ça change toute la suite, donc je l'efface. Ici, on a l'air un petit peu embêté parce qu'on a x point point ici, on a z point point. Je vous rappelle que, comme le fil n'est pas extensible, à chaque fois que lui descend d'une certaine longueur,
longueur, bah, lui il bouge de la même longueur ici, c'est-à-dire que les déplacements sont égaux, donc les vitesses suivant x et suivant z sont égales, et donc les vitesses, les accélérations aussi. Donc ici, x point point, c'est la même chose que z point point. Donc lui, je vais le remplacer par grand N x point point, et je vais le passer du coup de l'autre côté de l'équation, et ça donne m plus petit n fois x point point est égal à mg. Voilà. Donc on a finalement une équation qui ressemble à celle de tout à l'heure, et dans ce cas-là, le terme d'inertie ici qui figure devant l'accélération, c'est la somme des deux masses m plus petit n. Et donc voilà, du coup, ça se résout de tête. Hein. L'accélération x point point, ça fait grand m sur m plus petit n fois g. Donc la vitesse est donnée par en intégrant x point point est égal à grand m sur m plus petit n fois gt plus une constante. La constante est nulle parce qu'on part sans vitesse initiale. Et on intègre encore une fois pour trouver 1 demi de m sur m plus grand m fois gt carré. Avec ici, en prenant l'abscisse initiale égale à 0, je définis l'origine comme la position initiale du corps qu'on étudie. Et ça donne ça. Donc par rapport à tout à l'heure, on voit qu'on a un plus petit n ici qui intervient, qui fait toute la différence. Donc ça, c'est la résolution correcte du problème. On voit d'ailleurs que, pour reprendre le cas limite de tout à l'heure, si la masse petit n ici est très petite devant grand n, si ça c'est un tout petit machin et ça c'est un gros truc, donc dans ce cas, petit n est très petit devant grand n, et l'équation qui est là-bas nous dit que x est égal à 1 demi de... Le dénominateur, ça fait grand M, ça simplifie, il reste un demi de gt carré, c'est-à-dire que ce machin-là est entraîné par sa chute par le contrepoids. Le contrepoids, tout se passe comme si le contrepoids tombait tout seul en chute libre, paf, ça c'est l'équation d'un truc en chute libre, et il entraîne avec lui la masse qui est ici, et effectivement, ça se déplace de la même manière que lui. Donc ça, c'est pas ce qu'on avait obtenu avec l'expression de tout à l'heure. Si on n'était pas intéressé par l'équation horaire, mais qu'on voulait simplement la vitesse qui est acquise par le corps qui est ici en fonction de son déplacement, donc si on voulait V en fonction de X, et ben ça serait assez facile à faire. Donc on prendrait là-dedans, on éliminerait T en fait, hein, si on veut V en fonction de X. Je le fais. X point c'est grand M sur grand M plus petit M fois G fois t, et le temps ici est donné en fonction de x par l'expression qui est ici, c'est-à-dire c'est 2x sur grand M, facteur de m plus grand M, avec la racine carrée. Là, le terme est un g quelque part sur g. Le terme qui est ici, ça c'est t en fait, hein, c'est le t qui donne un x donné. Et donc ça se simplifie, ça fait donc les m, ça fait des racines de m, les g aussi, les m, tout ça, ça simplifie partiellement, et ça donne racine de mg sur grand M plus petit m, avec un 2 et un x. Voilà. La vitesse, l'expression de la vitesse qu'on obtient. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça là? Parce qu'il se trouve que ça, on pouvait aussi trouver de manière beaucoup plus simple, si c'est la vitesse qui nous intéresse, en appliquant simplement le théorème de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, ici, en absence de frottement, est conservée pour tout système. Donc je vais écrire l'énergie mécanique au début, puis à un instant quelconque ultérieur. L'énergie mécanique de tout système, donc lui plus lui, c'est donné. L'énergie mécanique est définie comme l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et ça c'est une constante. Et ça vaut deux choses. Je vais prendre la valeur au début et la valeur à la fin. Au début, à t égale 0, l'énergie cinétique est nulle, parce que les corps sont lâchés sans vitesse initiale, il n'y a pas de vitesse, donc ça fait 0. Plus l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de ce corps-là, plus l'énergie potentielle de ce corps-là, que je vais noter mgz. Alors attention, j'ai orienté z vers le bas, donc il y a un moins ici dans l'énergie potentielle. Et c'est un z0, c'est la position initiale. Et ça, c'est aussi égal à la valeur finale de cette grandeur. Donc la valeur finale, c'est donnée par l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi de m v carré, ça c'est l'énergie cinétique de lui, plus l'énergie cinétique de lui, 1 demi de grand m, fois sa vitesse à lui au carré, mais comme ils sont reliés par une corde, quand lui se déplace d'une certaine distance, en un temps donné lui aussi, donc ils ont les mêmes vitesses à tout instant. Donc leurs vitesses sont égales, on a la même V ici.
plus l'énergie potentielle de lui, c'est la même qu'au début, hein, lui peut être sur un plan horizontal, donc son énergie potentielle gravitationnelle ne change pas, et moins G, M fois Z, Z c'est son altitude. Et du coup on voit que si ça est égal à ça, bah, ces termes-là se simplifient les uns les autres, et on obtient tout simplement 1/2 de M plus grand M V carré est égal à MG facteur de Z moins Z0. Voilà. Je l'encadre parce que c'est effectivement ça qui permet de retrouver ça. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'expression de la vitesse à partir du terme de l'énergie mécanique appliquée au tout. Et donc ici, la subtilité, la difficulté de cet exercice, c'est vraiment de ne pas penser que le poids qui agit sur le contrepoids se répercute intégralement ici. Ce n'est pas le cas. Alors ça, je l'efface. C'est tout ce que je voulais dire sur la vitesse. Je vais maintenant essayer de vous faire sentir vraiment ce qui se passe physiquement en prenant des situations extrêmes. J'ai déjà évoqué tout à l'heure le cas de M qui était très petit devant grand M. Donc si ici on a un tout petit objet et là vraiment un énorme. Si maintenant on s'intéresse au cas opposé où M, la masse petite M est très grande devant grand M, on a un gros machin et là un tout petit, et bien l'équation là-bas nous dit que x point est à peu près égal à, c'est si c'est petit m qui domine dans le dénominateur, on a grand M sur petit m fois g. Ce rapport-là est tout petit, si on est dans ces conditions-là, et donc l'accélération est effectivement minuscule. Si on a un gros machin là et un petit, bah, le petit, il entraîne qu'un tout petit peu le gros. En fait. Donc, c'est ça que dit le calcul. Donc le traitement correct ici, un peu subtil, redonne effectivement des comportements qui sont ceux qu'on attend dans la limite des grandes ou des petites masses. Donc s'il y a une chose à retenir de cet exercice, une chose, c'est que quand on est en train de traiter de la tension d'un fil comme ça, c'est le cas aussi des réactions du support, ne pas écrire systématiquement que la tension du fil retient, est égale en norme au poids. Voilà. Ne pas écrire non plus systématiquement, quand on a quelque chose qui est posé sur un autre, que la réaction du support est égale en norme au poids. Ce n'est pas le cas si le support est en train de se déplacer, est en train d'être accéléré, précisément. Donc bien penser à faire le bilan des forces sur ce système-là pour relier cette force-là à celle-là et à l'accélération du corps. C'est ça qu'on a fait ici.